Créée en 1956, Happy Restauration est une entreprise familiale et indépendante qui porte naturellement les valeurs de la RSE. On n'est pas parfait, on a de grosses contraintes économiques dans notre métier, mais on a tout le temps cette vue de se dire, voilà, on doit transmettre, on doit être fier de ce qu'on fait. Donc toutes nos actions sont sous-tendues par cette réflexion. Depuis 2010, Happy Restauration s'engage pour réduire, trier et valoriser ses déchets. Pour cela, l'entreprise mène par exemple des actions dans une trentaine de restaurants scolaires, comme ici, dans ce lycée français près de Bruxelles. Un travail de sensibilisation est mené grâce à ses affiches et au personnel. On les incite à moins servir les assiettes, à dialoguer avec les enfants pour évaluer leur faim. On incite les enfants à venir se resservir plusieurs fois plutôt que prendre une grosse assiette en début. Ici, par exemple, au lycée français, on a commencé à peu près à 130 grammes de déchets alimentaires il y a 5 semaines. Et aujourd'hui, on est à une moyenne de 112 grammes de déchets alimentaires par plateau repas. Donc on a effectué déjà une baisse sensible. 112 grammes par plateau et par semaine, ça représente tout de même un poids total de 730 kilos. Dans quelques semaines, Happy Restauration devrait améliorer ce résultat et descendre à environ 50 grammes de déchets alimentaires par plateau.